territoire qui a pour but de faire de l'agriculture urbaine. Merci beaucoup. Jessica a vraiment eu beaucoup de courage et beaucoup d'esprit positif, si vous voulez, pour faire avancer non seulement son projet, mais pour faire avancer l'idée de l'agriculture urbaine qui va devenir de plus en plus, je pense, importante dans les années à venir et va être une vraie solution alternative, je crois, aux problèmes liés à non seulement l'agriculture dans le monde, mais la nutrition et les produits sains et les produits bio. Et si on peut le faire en milieu urbain de façon responsable, de façon bien sûr éthique et bio, eh bien on peut le faire aussi dans d'autres dimensions et dans d'autres espaces. Parce que personne, ou très peu de personnes, je pense, font l'équation Monaco-agriculture. Donc c'est déjà formidable de pouvoir associer cela, et avec des espaces, bien sûr, de culture maraîchère, mais aussi de culture d'herbes et de fleurs, et puis de différents légumes. C'est même dans cet espace-ci, là on est dans un espace un petit peu privilégié, puisque c'est déjà un jardin, mais de le faire sur des toits terrasses d'immeubles, ou même dans d'autres lieux, c'est un défi encore plus important. Alors si on arrive à le faire à Monaco, certes sur une échelle qui est la nôtre, on peut-être le faire ailleurs, avec d'autres échelles. Donc je pense que c'était important, c'était un message important pour nous, et c'est ce que j'ai pu saisir dans le projet de Jessica, et je l'ai, bien entendu, j'étais très heureux de pouvoir le soutenir et de pouvoir l'encourager dans cette démarche. Mais je pense que d'abord il faut donner l'idée aux personnes d'adhérer à cette démarche et de franchir le pas. Et puis, donc plus d'exemples il y a d'espaces que l'on peut aménager comme cela, en potager, eh bien, je crois plus le bouche à oreille va fonctionner. Et puis, grâce aussi aux médias, on peut faire propager ces idées-là. Et je crois le plus de personnes qui pourront et voudront adhérer à cela, eh bien, le projet pourra être un véritable succès, mais je suis sûr qu'il le sera.